Alors, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. Je vais vous mettre comme ça. J'ai reçu mon colis One Day Saving du mois, donc ma box de janvier. Donc, il m'avait demandé de sélectionner plein de choses et c'est lui qui m'a envoyé ce qu'il voulait. Je lui ai dit de pas me dire ce que je voulais, ce qu'il me mettait. Donc, je suis désolée pour ma tronche. Depuis jeudi soir, j'ai été détectée positive. Donc, je veux pas de polémique, hein. Je suis vaccinée. Donc, qu'on s'est vacciné, qu'on ne s'est pas vacciné, on peut choper le Covid. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'il est là. Je ne l'avais pas attrapé. Là, je l'ai attrapé. Donc, voilà. À la maison, il y a mon conjoint et ma fille. Ils sont négatifs, donc je suis isolée dans la chambre. Heureusement, on a la chambre des garçons. Il restait un lit, donc je peux me mettre. Pareil, je veux pas de polémique. Pourquoi j'ai la chambre de mes garçons et que je peux me mettre dedans? Et où sont mes garçons? Je veux pas en entendre parler. C'est clair, s'il y a un commentaire là-dessus, c'est ça dégage direct. Donc je suis en isolement dans la chambre de mes garçons. Ma fille et du coup mon conjoint sont de l'autre côté, c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui fait tout. Et voilà, donc Covid, quels sont mes symptômes? Alors si des fois ça vous arrive, peut-être que ça pourra vous aider aussi. Mes premiers symptômes, ça a été gros mal de tête. Toute la journée ça voulait pas passer et le matin quand je me suis levée, j'étais vaseuse et j'avais des courbatures. Voilà. Et avec ça, le matin, j'ai été consultée. J'avais fait un autotest à la maison, j'ai été consultée. On m'a dit oui, c'est une forte migraine, ça va passer dans la journée. Le soir, j'avais toujours aussi mal, donc du coup, j'ai été consultée. J'ai été faire un test à ma pharmacie et le test était positif. Voilà. Donc, pas de polémique, hein. Tout ce qui sera méchant commentaire sur le Covid et tout, tralala, ça volera. Tout ce qui sera au niveau de mes enfants, c'est pareil, ça volera. Voilà. Donc, on passe à l'ouverture. Donc, désolé pour ma tête, mais c'est comme ça. Et là, du coup, mes symptômes s'avèrent un gros rhume. J'ai le nez qui est pris, qui coule, donc c'est pour ça qu'il est rouge. J'ai souvent très mal à la tête, donc je prends des cachets en conséquence. Et sinon, une grosse fatigue et puis la gorge qui est irritée et je tousse un petit peu. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça sur le côté et je vais piocher au fur et à mesure. Donc là, ça c'est un DP. Alors, quel est le DP qui m'a envoyé? Il a sorti d'ailleurs. Je lui ai demandé pour le mois prochain, pour ma box du mois prochain, s'il pouvait me l'envoyer. J'ai pas eu de nouvelles pour la box. Pour la box de février. Alors, désolé, pour la box de février. S'il pouvait me glisser le dragon que je cherche depuis longtemps. Rachel, toi-même tu sais, le dragon de chez Dac. Alors, est-ce qu'il a eu les droits de publier les photos? Il a plein de photos que j'ai vues chez Dac et qu'il a lui. Et d'ailleurs, il a ce joli dragon que je veux. Et du coup, je lui ai demandé qu'il me l'envoie pour le mois prochain dans ma box. Donc, on verra bien. Donc là, c'est quoi? Hop là. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Ouais, ça va aller pour la chambre à la puce. Ma fille en ce moment a une folie de mini. Et comme j'en ai quelques-uns des vitraux, j'avais mis celui-là. Et c'est Mickey et Minnie dans une montgolfière. Avec, alors je sais jamais. Lui c'est plutôt je crois. Donc c'est un 30 par 40. Donc là, je vais pas vous le montrer sur le bureau parce que ça sera un peu compliqué. En fait, je me suis aménagé la commode des garçons comme support pour faire une table de nuit. Il est très joli. Alors, c'est ouais, un 30 par 40, je pense, bord inclus. Ouais, il n'y a pas marqué. Donc là, vous avez le numéro de série. Vous avez une table des matières là. Et au niveau de la colle, ouais, ça colle bien. Et au niveau des symboles, même dans le noir, ils sont super. Bon, les filles, il faut faire des défis
sur des toiles que j'ai là, des toiles que je reçois récemment, hein, pour que je puisse les faire. D'ailleurs, j'étais contente de faire le défi Saint-Valentin avec Marilyn, parce que du coup, j'ai pris la dernière toile que j'avais eue de A Diamond Painting, le personnalisé qu'il m'avait fait avec mes loulous, et franchement, j'étais trop contente. Donc du coup, on est à la moitié, on a la moitié, il reste une moitié. Elle est pas à côté de moi, je peux pas vous la présenter. Et du coup, je peux pas aller la chercher parce qu'elle est dans ma salle à manger. Mais dans une prochaine vidéo, peut-être qu'on est samedi. Non, on est samedi, on n'est pas dimanche, on est samedi. Peut-être que demain, au moment où la petite elle sera couchée, j'irai de l'autre côté récupérer ce que je suis en train de... Désolée, d'avancer ma toile Olaf aussi. Donc du coup, j'irai peut-être chercher pour vous faire une petite vidéo avancée de la semaine que je ferai directement avec mon portable. Je suis désolée, j'ai des petits rototos. Donc là, on a il n'y a pas marqué la référence DMC. Alors là, c'est le 9, c'est dans la liste des numéros. Là, c'est la référence de la toile. 7, je sais pas, 28 et MS, je sais pas. Donc ça, c'est un genre de noir. Ça, la luminosité, elle est pas trop mauvaise. Ce qui fait gris chez moi, jaune. Un vert. Un rose. Un bleu. Un marron. Un autre sorte de vert. Un marron très foncé et un gris foncé. Que vous voyez presque comme noir. Alors ça, j'ai reposé dans la toile directement. Je rangerai après mieux que ça. Et j'avais une vidéo aussi à vous tourner. J'avais dit que je vous ferai après le calendrier de l'Avent une vidéo pour vous montrer tout ce que j'avais eu. Et vous le détailler sur la table. Mais franchement, j'ai eu la flemme jusqu'à présent. D'ailleurs, il n'y a eu pas eu de vidéo. Que c'est pareil. J'ai un peu la flemme en ce moment. C'est un peu compliqué. Là, je me remets au diamond painting. Donc peut-être faire des vidéos, je sais pas. De toute façon, il y a une vidéo qui arrive aussi la semaine prochaine. Puisque je vais recevoir, désolé, mon swap avec Rachel, mon swap petit déjeuner. Parce que en plus que d'avoir juste le Covid, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai fait une prise de sang et on m'a trouvé du diabète, je suis à la limite. J'ai passé 36 ans, je suis à la limite du diabète, donc on me contrôle aussi pour le diabète, donc 2022, j'en ai un peu ras la casquette et ça fait que de commencer, lol. Allez, on pioche. Ah, une petite... oui, parce qu'il avait des trucs Saint-Valentin et au départ, il m'avait demandé de promouvoir au possible ses produits Saint-Valentin. Donc moi, j'avais pas trouvé grand-chose qui me plaisait dans Saint-Valentin. Mais j'ai une petite sacoche comme ça que j'avais gagnée chez Sandrine. Sandrine Kim Kekwat, je sais plus, même plus c'est quoi sa chaîne. Bref, entre temps elle m'a viré de sa chaîne parce qu'elle a vu que c'était moi. Donc bref, on s'en fout, hein. Elle m'avait quand même envoyé mon cadeau, c'est respectable. Parce qu'on était très amis avant et il y a eu des soucis. Et du coup je me sers de la sienne qui est avec une chouette. Alors ce que je fais, moi je range ma carte d'identité et mes papiers dedans. Et là voilà, j'ai trouvé qu'elle était mignonne celle-là en petite forme de cœur. Là on voit bien, il n'y a plus de reflets. Donc il y a juste le cœur au milieu à reconstituer. Mais ça donne quand même pas mal de formes. Il y a quand même pas mal de formes différentes. C'est génial, elle est assez grande. La fermeture elle est comment? Elle a l'air d'être de bonne qualité. Ouf, allez. Je me disais, c'est quoi qui remonte? C'est le truc qui était mal mis à l'intérieur. Voilà. Non, il y a de la place, hein. Vous avez de la place pour ranger. Regardez, quand je sors, que j'ai besoin de mon matériel de suivi. Bon, là, il n'y a pas tout ce qu'il faut dedans. Mais. Quand je peux. Et voilà. Mon appareil, mon carnet de... Mon stylo, mon carnet de diabète. Et ben voilà, génial. Je vais la faire prochainement. Je vais vous la faire en vidéo, je pense. Dès que ça ira mieux. Par contre, je vous dis pas quand, dès que ça ira mieux.
On a le kit tout l'habituel. Et alors ça on va ouvrir. Et j'aime bien parce qu'ils mettent toujours des pochettes comme ça. Et ça, ces pochettes là, ça sert soit pour ranger des diamants, soit pour ranger autre chose. Oh oui, ils sont jolis. Des petits épis comme ça. Avec des couleurs, des oranges. Des tout petits comme ça, des petites gouttes. Ah. Des ronds bleus. Des ronds blancs. Des petits jaunes. Des petits roses. Et je suis à contre-jour, moi je vois rien. Des petits bleus. Des petits verts. Des verts foncés. Des rouges et des blancs. De toute façon, je vous représenterai ça quand je le ferai en temps et en heure. Donc ça par contre, hop, je vais ranger directement dans la trousse comme ça, je sais où ils sont. Dans la petite pochette. Donc ça c'est super sympa. Par contre, j'ai pas les prix. Oh, je suis désolée. Attendez, il va falloir que je me mouche parce que sinon je risque de renifler tout le temps et ça va être un peu casse-bonbon. Et du coup, je filme avec le caméscope. Et pas avec mon portable parce que je pensais vous montrer peut-être des trucs sur la table. Et du coup, j'aurais filmé avec mon portable, j'aurais pu mettre pause, mais pas là. Désolée. Je vais surtout essuyer. Ah là là. Alors, ça c'est la pochette là. Allez, on continue, qu'est-ce qu'il y a? On va chercher. Là, il y a un stylet. Je crois qu'ils font des nouveaux stylés et qu'ils m'avaient proposé de m'en envoyer un. Oh, il est trop beau. Ah, mais je le voyais pas comme ça. Les miens sont beaucoup plus fins. J'en ai des comme ça. En résine. Ouais, je pense que c'est une résine. Mais ils sont beaucoup plus fins que ça. Là, il est assez gros. Ah, j'adore l'idée. Ah oui, et puis j'ai commencé un nouveau petit DP parce que je regarde les lives de Jess sur Twitter. Twitter. Il est vraiment temps que j'aille me coucher. Hein. Sur Twitch. Je regarde les lives de Jess et Jess a proposé que pendant qu'on était en train de regarder ses lives, qu'on pouvait peut-être faire un DP en même temps qu'elle fait un DP, mais c'est un DP qu'on fait que en live. Donc du coup, j'ai été choper le premier petit DP qu'il y avait. Dans ma pochette, dans mes toiles, et du coup c'est tombé sur Peach que Rachel m'avait offert, et du coup je suis en train de la commencer. Par contre on voit que c'est du Yua China Store et en fait c'est une grosse galère. Il y a des écarts, il y a des pierres qui ont du mal à coller, c'est un peu la ruine. Et j'ai commencé jeudi soir que j'ai commencé et j'ai fait 10 lignes et le coco plus plus la fatigue et plus l'état des pierres, ça m'a un peu saoulé. J'ai fait 10 lignes et j'ai arrêté. Donc là, je vais continuer parce que demain, il y a le live. Donc je vous ferai peut-être la petite vidéo avancée après le live. Donc du coup, vous avez du bleu comme si vous aviez mis une cartouche d'encre dedans et mélangé à de l'eau. Il est trop beau. Et je sais pas si vous verrez, il y a des paillettes. Et comme embout, on a un grand embout raclette. Un grand embout raclette. Je sais pas combien. Un multiplaceur de je sais pas combien, un petit. Un plus grand. Un 3. Ah, cet après-midi quand je vais avancer mon Olaf. Et un normal. Donc je vais monter un normal. Ah, ça monte super bien. Et de l'autre côté, je me sers pas trop des multiplaceurs. Mais je vais mettre un 3. Pour pas que ça fasse vide, mais... C'est pas, je m'en sers pas trop du multiplaceur. Les autres petites embouts, je vais les ranger là. Il a l'air d'avoir une super prise en main. Je vais tester cet après-midi en faisant mon DP Olaf, mon DP Covid, ma case du jour 2, lol. Et je vous dirai des nouvelles demain quand je vous présenterai la vidéo. Franchement, c'est top. Ah bah là, il y a un truc qui est sorti. Encore une toile. Quelle toile il m'a mis? Je lui avais demandé, je crois, en toile. Il y avait une Mario. Il y avait la Mickey.
Et il y avait une Spyro. Spyro. Il a sorti d'ailleurs sur. Non seulement il a sorti plein de toiles de chez Dac. Donc je sais pas s'il a des droits pour les avoir ou pas, mais bon, bref. Il a sorti plein de toiles de chez Dac et il a sorti plein de toiles de Mario. Il a sorti plein de nouvelles univers sur One Day Saving. Franchement, et là, si vous commencez, vous commandez, oh, désolé, pour 50$, vous avez deux cadeaux dans le colis. Allez. Tadam. Tadam. Oh, c'est Spyro. C'est Spyro. C'est tellement rare d'en trouver. C'est tellement rare d'en trouver. Oh, je suis trop contente. Je crois que Spyro, j'ai pas dans mes. Je me souviens pas si j'en ai un. Oh, il est trop mimi. Avec la petite fée là, qui nous régénère. Quand on lui donne à manger, si la fée elle est morte, et eh ben nous on est mort aussi. Oh, elle est trop mimi. Elle est trop mimi. Alors, pareil, c'est une 30 par 40. C'est une 23 couleurs. La Mickey et Minnie, c'est une 18 couleurs sur le vitrail. Oh, les symboles sont super bien imprimés, franchement. Je suis contente. Oh ouais, parce que même dans les zones où c'est très foncé, on voit super bien. Bon, alors, c'est qui me fait un défi qui fait un défi prochainement sur le thème jeu vidéo, là? Sur les thèmes dragons. Regardez ça, les symboles sont trop bien. Je vais vérifier au niveau de la colle. Et là, vous avez le tableau de bord en bas et en haut. Bon, tableau de bord, tableau de je sais pas quoi, comme vous voulez. Ah ouais. Nickel, franchement. Nickel, elle est trop belle. Alors, hop. Ah, dans le petit kit tool, on a en plus des petits sacs là. Ça, c'est plutôt bien. Ouais, et d'habitude. Non, c'est One Day ou c'est. Non, je crois que c'est à Diamond Painting qui met les sachets zip directement. Moi, je préfère qu'on reçoive directement dans des sachets zip. Parce que c'est beaucoup plus simple. Des fois, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser une autre mallette ou quelque chose. Vous pouvez faire directement comme ça. Que là, là, il faut transférer dans des mallettes et c'est plutôt embêtant. Mais bon. C'est pas grave. Ah ouais, bah là, c'est une grande ribambelle. Alors ça, c'est du rond. Et par contre, ouais, c'était du rond aussi. Je vais vous montrer. Alors, je vous montre les couleurs. J'ai la flemme, franchement, désolée de vous les énoncer à chaque fois. Je pense que vous voyez, hein. Et la ribambelle. Attendez. La ribambelle, elle fait 15 km. C'est que dans les tons rose, orangé, violet et du bleu. Du bleu foncé, du bleu, différents bleus pour faire le fond. Les sachets sont un peu de travers. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y ait le compte dedans et que. Je ne manque de rien. Et cela. Trop top. Franchement, je suis trop contente. Alors, hop, ça va aller là-bas. Je suis trop contente. On cherche autre chose. Il reste 2-3 articles. Il y a un truc qui est chelou. Attends. Là. Ah, ça, c'est la colle. Alors, j'ai pris ça parce que je voulais tester. Ça fait plusieurs fois que j'en vois sur des sites et j'ai pas osé commander. Et là, vu que c'est en partenariat, j'ai dit je vais tester. Alors, peut-être justement sur la Olaf parce que la Olaf, elle a tendance à pop. C'est de la colle, du vernis colle, hein. Il y a marqué là. Il y a marqué clean, clean on gloss, finish. Alors c'est une colle. Ah oui, avec un embout mousse. Ça, il me semble que c'était peut-être dans les 3 euros, un truc comme ça. Je sais plus du tout. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos parce que ce qui est bien chez eux,
c'est que après que vous ayez choisi vos produits, il vous envoie un mail où vous avez tous les produits en lien. Donc ça va être à tester. C'est un vernis colle à mettre après que vous ayez fait votre toile. Donc voilà. Alors est-ce qu'on voit? Ah mais c'est chargeable. Mais c'est génial, c'est chargeable. Donc ça veut dire que si on a un autre vernis colle à la maison et qu'on veut récupérer la bouteille pour faire du vernis colle, remettre du vernis colle autre. Ouais, c'est blanc. Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon, mais c'est blanc. Donc je vais laisser l'opercule pour l'instant parce que mon truc il est pas fini, j'ai rien à vernir. Dès que j'ai quelque chose à vernir, je vous prends en vidéo. Je vous prends en vidéo et on teste. Franchement, je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce que quelqu'un a déjà testé et peut me dire ce que ça vaut? Voilà. J'espère que mes voisins d'ailleurs ne m'entendent pas trop parce que j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Il y a encore des cadeaux. Il y a encore trois trucs. Donc du coup, moi j'ai vu. J'avais demandé ça. Il y avait plusieurs. C'est des plateaux. Alors d'ailleurs, j'ai eu un message, un commentaire sur une photo que j'ai postée de l'avancée de ma toile défi avec Marilyn sur le groupe de Rachel, comme quoi j'avais toute une collection de plateaux. Et ben voilà, en v'là d'autres. Ça me fait penser à la feuille de un peu Animal Crossing. Donc c'était des lots de deux. Et alors ils sont... Ah non, je croyais qu'ils étaient en boitable. Non. Ah bah non. Mais du coup je me dis que des fois quand on fait des petits DP et qu'il y a deux couleurs bien distinctes qui vous restent à poser sur la feuille, sur la toile et que vous voulez aller plus vite. Par exemple un A et un D, mais par exemple un jaune et un rouge. Ah bah voilà, vous pouvez mettre dans deux gamelles. Donc à tester, on va voir ce que ça donne. Moi je les trouve super sympas. Et vous? À tester. J'ai pris un scalpel. Il a mis énormément de choses. Avant il n'y avait que des toiles quasiment. Après il a lancé les objets. Donc quand je dis objets, c'est tout ce qui est ben ça, les sacoches, les petites décos que je vous ai présentées pour Noël, les Pères Noël. En résine, les guirlandes, la grande roue qu'on vous a présentée, tout ce genre de choses là. Et maintenant il fait des mallettes, il fait des kits d'accessoires où vous avez la colle, je crois qu'il a des tablettes lumineuses où il y a pas mal de choses. Et là il avait un scalpel, donc j'ai repris un scalpel parce que moi je n'en avais plus. Et à chaque fois je prends des cutters, donc du coup je me suis repris un scalpel qui va rester dans mes affaires. Vous avez une pointe là, ronde comme ça, je sais pas si elle peut servir à quelque chose ou c'est juste qui est comme ça. Non, c'est juste comme ça. Et du coup de ce côté là vous ouvrez, je crois qu'il y avait plusieurs couleurs, et là vous avez plusieurs lames. Ça c'est top. Je sais pas combien qu'il y a de lames. Il y a marqué 12. Est-ce qu'il y en a 12? Ouais, il y en a peut-être 12. Je vous avoue, je vais pas les compter, hein, une par une, mais à mon avis, il y en a 12. Je vais pas le monter tout de suite non plus parce que j'en ai pas besoin. Et du coup, après, vous mettez votre lame, vous resserrez. Et vous mettez votre bouchon. Et hop. Donc normalement, je crois qu'il y a un code promo. Pareil, il sera listé en barre d'infos. Parce que je ne l'ai pas sous les yeux et du coup c'est un peu embêtant. Et il me reste un dernier petit cadeau. Ah, il m'a mis des petits porte-clés. J'avais vu des porte-clés et il m'a mis des porte-clés. Je lui avais fait une sélection de 18 produits et du coup il m'en a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 8 sur 18, donc ça va. Et du coup j'ai fait un compte sur son
sur son site internet. Et du coup, maintenant, quand je vois des trucs qui m'intéressent, régulièrement, je vais me promener dessus et quand je reçois les newsletters, et je mets directement au panier, comme ça, le jour où il me demande une liste de ce que je veux, je vais dans mon panier et je sais ce que je veux. Pareil, il y a des petits sachets. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai eu comme porte-clés. Des petites voitures. Donc, on a celle-là. On a celle-là. J'ai l'impression qu'elle rendait quand même mieux en photo. On a celle-là. On a My Prefer. C'est la coccinelle de chez Volkswagen. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai commandées. Voilà, et celle-là. Et d'ailleurs, là, ce mois-ci, je vais lui prendre une toile que je vais payer de ma poche. Je vais faire fonctionner un peu mon partenariat. Je vais prendre mon code promo, par contre. Hein, et apparemment, j'ai droit à un bon code promo. Je vais prendre la toile Mario avec Peach en train de se promener avec la poussette et le bébé dedans. Voilà. Et je vais vous présenter du coup les pierres. Non, pas les pierres, les diamants. Hein? Heureusement que Jess, elle passe pas par là, lol. Je crois pas en tout cas qu'elle vienne regarder mes vidéos, Jess. Jess, elle aime pas qu'on dise des pierres. C'est des diamants et non plus des perles. Oula, là il y a un petit accident là. Ah, je sais pas si vous allez voir, mais dans mes blancs, il y a des petits rouges qui se promènent. Bon, pas grave. On ira récupérer les petits rouges. Ah, puis dans les petits rouges, il y a des bleus. Là, dans ceux-là, là, il y a des bleus au fond. Des bleus. Des blancs. Des tout fins rouges. Et des tout fins blancs. Ouais, trop cool. Et là, on a des gros comme ça. Bien, et ben franchement super satisfaite. Bon, maintenant il va falloir se mettre à les faire tout ça, hein. À refaire des vidéos sur ma chaîne et à travailler à faire tout ça. Donc One Day Saving, thank you very very much, One Day Saving, merci à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.